Salut les filles, bienvenue sur cet appel pour Team Wild et Team Bloom. J'espère que tout le monde va bien. Je vais juste... D'accord. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de Instagram parce que c'est la nouvelle plateforme qui est... hot en ce moment. Vous savez que sur les réseaux sociaux, sur n'importe quoi, hein, tu sais, je sais pas si vous avez eu la chance d'être sur des appels de des filles qui ont été au leadership cette semaine à Vegas, la semaine passée, mais moi, ça me reste en tête. Là, des fois, tu sais, ils racontent des petites anecdotes qu'ils ont entendues, puis il y a des affaires qui nous restent en tête. Puis l'histoire de Budweiser, je sais pas si vous l'avez entendue, mais elle me reste en tête, tu sais, qu'il faut toujours constamment innover et que, là, je vais juste te dire pour ceux qui... J'ai vu Marilyn faire oui, mais les autres filles, vos caméras sont fermées, fait que je ne sais pas si vous l'avez entendue. Fait que je vais vous la raconter rapidement. Mais il parlait de Budweiser comme quoi que quand que Budweiser a commencé, il était dans les top 1 de la compagnie. Une bière sur 14. T'as pas entendu, Jess? Parfait, j'ai l'air pour toi. Une bière sur 14 qui était vendue. Non, c'est pas vrai. Une bière sur 4 qui était vendue, c'était une Budweiser quand ils ont commencé. Maintenant, c'est rendu une bière sur 14 parce que Budweiser n'a pas été capable d'innover. Donc, si tu regardes une publicité de Budweiser dans leur début et une publicité de Budweiser en ce moment, c'est exactement la même approche, exactement les mêmes. Ils n'ont pas innové, ils n'ont pas changé la bouteille, est comme pareil comme avant. Ils n'ont pas fait de changement, ils n'ont pas su s'améliorer au gré du temps, donc ils ont perdu de popularité. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas qui arrive à personne. Et c'est pour ça que Beachbody sont toujours en train d'innover. T'sais, ils ont sorti les DVD, après ça, la plateforme en ligne, après ça, t'sais, les nouveaux programmes à chaque année qui sortent, il y a un nouveau plan alimentaire qui va sortir. Le Shakeology est toujours en train d'essayer de s'améliorer pour être toujours le meilleur produit sur le marché. Donc, ils sont constamment en train d'innover et c'est aussi notre travail parce que nous, c'est nous notre bannière. Nous sommes ce qu'on vend, en fait. On vend notre profil, on vend notre service de coaching. Et Facebook, oui, ça peut rester encore votre média social le plus important, si vous voulez, dans votre business. Mais c'est important d'aller explorer aussi ailleurs, d'aller explorer d'autres choses, qui se passent autour pour toujours s'améliorer. Donc, j'ai eu la chance, comme la plupart d'entre vous, je pense que je le dis à chaque fois, mais je fais la formation de Josh Coates. Sérieusement, les filles, là, si vous avez besoin d'investir en un seul training, OK, Josh Coates, il est là. Il travaille avec les top coachs de Beachbody, puis là, j'étais avec lui pour... c'est le deuxième mois que j'étais avec lui, puis c'est tout le temps du nouveau qu'il nous donne, puis il essaie vraiment de nous aider. Donc, là, il a sorti la nouvelle formule, the training of the training, que tu n'auras jamais besoin de faire aucun training parce que tout est là-dedans. Donc, je suis dans ce training-là et je veux partager avec vous ce que j'apprends à tous les jours avec lui, à toutes les semaines. Et là, on a eu la chance d'avoir un training sur Instagram. OK, c'était une heure, donc c'est sûr que c'était très court. Et je suis sûre que vous pouvez avoir beaucoup plus de matériel si vous faites des recherches là-dessus, mais je veux vous partager ce que j'ai eu. Et nous, on a eu la chance de recevoir sur l'appel qui elle s'appelle Crystal, je vais vous trouver le nom. C'est une fille genre là, super, elle a l'air super timide, ricaneuse, avec les cheveux mauves, elle tripe sur les licornes, tu sais, là, comme un petit peu extravagante, mais genre, qui est comme toute réservée, tu sais, fait qu'elle a l'air d'une petite poupée qui sort dans une boîte, là, tu sais, là, fait que... Tu sais, c'est sûr que sa personnalité ressort sur les médias sociaux, sauf qu'elle travaille pratiquement que sur Instagram. Je pense qu'elle est rendue à 40 000 followers sur Instagram. Donc, elle nous a partagé un petit peu ses trucs. Et là, aujourd'hui, j'ai relu mes notes. Je voulais vous faire comme un autre cahier de notes. Finalement, j'ai bien écrit mes notes. Donc, je vais y aller avec ce que j'ai écrit en espérant que tout va bien se passer. Mais s'il y a quelque chose, arrêtez-moi. Vous pouvez poser vos questions sur le chat ou démuter votre micro. Ça me fera plaisir de vous répondre. Mais, premièrement, sur Instagram, c'est important de savoir qui vous êtes. Okay? Ben, peu importe la plateforme que vous allez utiliser, sur Facebook, on vous dit tout le temps, il faut vous démarquer. Puis comment vous allez faire pour vous démarquer? C'est super simple. C'est tellement plus simple qu'on le pense de se démarquer
Parce que tout ce qu'on a à faire, c'est de rester nous-mêmes. Donc, ça sert à rien d'aller chercher, OK, elle, comment qu'elle fait pour se démarquer? OK, je vais faire la même affaire qu'elle. L'autre, elle est super hot. OK, elle, avec les cheveux mauves, puis qui aime les licornes, elle est hot sur Instagram. Moi aussi, je vais aimer les licornes. Non, tu sais, il ne faut pas que vous fassiez quelque chose qui ne vous représente pas. La seule et unique façon que vous pouvez vous démarquer, c'est d'être vous-même. Mais pour ça, il faut que vous sachiez vous êtes qui vous. Donc là, est-ce que tout le monde a un papier puis un crayon? Devoir. Non, Michel, c'est pas grave. Devoir. Si vous êtes capable, OK, sérieusement, parce que moi, quand elle l'a dit la première fois, j'étais comme, OK, je suis qui? Là, je me suis fait un travail sur moi-même, mais prenez-vous en note, OK? Qui je suis? Écrivez ça en gros. Je veux que vous fassiez, si c'est maintenant que vous avez à l'esprit, que vous l'avez comme, que vous êtes... inspiré, allez-y, prenez des notes. Sinon, je veux que ça soit un devoir pour vous dans les prochains jours. Posez-vous la question. Demandez autour de vous. Moi, je m'étais dit, OK, je vais aller voir, je vais écrire un message à ma mère, ma soeur, ma meilleure amie, mon amie d'enfance. Je vais leur demander, je suis qui, moi? Finalement, j'ai pas eu besoin de le faire. J'ai réécouté l'appel, puis je l'ai fait par moi-même. Donc, je suis venue avec une liste de, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, j'ai 13 points d'écrit comme ça que j'ai pris en 3 minutes, puis ça, j'ai pas relu qu'est-ce que j'avais écrit. Mais, tu sais, faites le brainstorm, là. Qu'est-ce qui vous définit, vous? C'est quoi vos intérêts? Est-ce que vous aimez lire? Est-ce que vous aimez la marche? Est-ce que vous aimez les chiens? Est-ce que vous êtes des cat lovers, là, qu'on voit des chats partout? Est-ce que vous êtes comme Joannie? Est-ce que vous aimez les licornes? Est-ce que vous aimez la musique? Est-ce que vous aimez le rap? Tu sais, c'est quoi vos intérêts? Qu'est-ce qui vous passionne? Est-ce que vous avez une passion justement pour du crafting, là, de l'art, de... voyons, je vais te dire. Du bricolage, là, du... bricolage, du scrapbooking, tu sais, des passe-temps, de la danse, de la claquette, tu sais, comme... C'est quoi qui vous définit, vous? Qui vous êtes exactement, tu sais? Donc, j'aimerais ça que vous fassiez la liste. Dans cette chose-là, ça va être important sur Instagram d'en choisir en 3 et 5 qui vous définit le plus et que vous voulez qu'ils ressortent de vous, que vous voulez que les gens sachent de vous. 3 à 5 dont vous allez parler, attention, à tous les jours. OK? À tous les jours sur votre page Instagram. Parce que votre page Instagram, contrairement à Facebook, OK? Facebook, on scroll, on lit, on arrête sur une photo, on lit le texte, on continue. OK? C'est comme ça. Sur Instagram, quand la personne va vouloir aller vous voir, elle va aller voir votre profil et là, vous allez avoir toutes les photos. C'est comme un magazine, OK? Puis ça, j'aimais ça l'image qu'elle nous a donnée. Je prends une gorgée. Elle nous a donné l'idée d'un magazine, puis elle nous disait, tu sais, quand tu prends un magazine de health and fitness, tu sais que tu vas choisir un magazine de santé, bien, il ne parle pas juste du health and fitness dans le magazine, là. Tu vas avoir des articles de beauté, tu vas avoir des articles de chien, des fois, là. Tu vas avoir des articles qui n'ont aucun rapport avec le fitness, tu sais, mais ça fait partie du magazine. Puis ça, c'est ça c'est ça Instagram. Vous êtes le magazine. Donc, oui, ça va être important que le health and fitness, ça fasse partie de vos 3 à 5 sujets. Tu sais, on est quand même des coachs et des motivatrices. Donc, j'espère que c'est un sujet qui est important pour vous, la santé, le fitness, que ça soit un des sujets. Mais autre que ça, qui vous êtes? De quoi il va parler votre magazine? Donc, ça, c'est super important. Là, je saute des étapes dans mon training, là, mais c'est pas grave, ça va tout se relier, vous allez voir. Deuxièmement, par rapport à vos intérêts, vos passions, ça va être super facile pour vous de trouver votre avatar. Là, je sais que la plupart d'entre vous, on en a parlé, Michel, peut-être un peu moins, mais un avatar, c'est quoi? C'est quelqu'un à qui vous parlez. Parce que quand vous parlez, c'est comme sur Facebook, on ne veut pas que vous parliez à tout le monde. On ne veut pas que vous parliez à 250 000 personnes. On veut que vous parliez à une personne. Cette personne-là, c'est votre avatar. Votre avatar doit être une combinaison de qui vous étiez avant et qui vous êtes maintenant. OK, donc, n'oubliez pas la personne que vous étiez avant. Tu sais, vous étiez qui, vous, avant d'être coach? Qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu vous prendre en main? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait que... tu sais, parlez à la fille d'avant
mais qui a également un côté de vous, parce que là, vous avez fait du cheminement là, en tant que coach, on travaille sur nous, on travaille sur notre fitness. Donc, votre avatar doit être une combinaison des deux. Et parler seulement à cette personne-là. Si une des choses dans votre magazine, c'est des chats, que vous parlez des chats parce que vous êtes passionné des chats, ben allez chercher quelqu'un qui aime les chats. Tu sais, si vous publiez dans votre magazine, c'est sûr que moi, si j'adore les chats puis que je vois dans ton magazine que tu parles souvent des chats, ben c'est sûr que je vais aller te suivre. Mais tu sais, si j'aime les chats puis que tu me parles jamais de chats, ben ça se peut que j'arrête de te suivre parce que je te trouve plate. Tu sais, donc parlez à cette personne-là qui vous ressemble, qui vous ressemble maintenant, donc c'est une combinaison de ces deux-là. Et quand vous faites une publication, quand vous allez mettre votre photo, quand vous allez écrire votre texte, pensez à ce que cette personne-là aurait besoin d'entendre. Ce que cette personne-là, elle veut savoir, ce que cette personne-là, elle aimerait lire aujourd'hui, qu'est-ce qui lui ferait du bien? Tu sais, comme, essayez de vous dire, bon, moi, là, aujourd'hui, là, j'aurais le goût d'une recette sucrée, là. Hey, ma Sophie, là, moi, souvent, mon avatar s'appelle Sophie, là, elle change tout le temps de nom. Mais souvent, c'est Sarah. Mais bon. Moi, Sophie, elle a-tu le goût de manger sucré? T'sais, si moi, j'ai le goût de manger sucré, là, elle a sûrement le goût de manger sucré, je vais y mettre une belle photo de brownies, là, puis, tu sais, elle va triper. Tu sais, pensez à cette personne-là, qu'est-ce qu'elle veut lire, qu'est-ce qu'elle veut savoir aujourd'hui? Switch the page. bon, ça, j'allais parler 3 à 5 sujets à tous les jours. Donc, essayez, une fois que vous allez avoir fait votre liste de qui vous êtes, puis sérieusement, là, tu sais, moi, je ne l'ai pas faite encore, j'ai pas eu le temps de demander à mon entourage, mais tu sais, si vous n'êtes pas certaine de qu'est-ce qui vous définit exactement, allez-y, hein, ça se fait, là, puis les gens autour de nous, là, ils nous connaissent tellement plus qu'on pense, tu sais, ils peuvent nous dire des affaires, hey, c'est vrai que je suis comme ça, tu sais, ah, ben, toi, c'est sûr, tu parles tout le temps de ski. Ah ouais, je parle tout le temps que ça de ski, tu sais, ben c'est vrai que j'aime ça faire du ski, tu sais, ben peut-être que c'est que ça me définit plus que je pense, tu sais. Donc des fois les gens autour de nous là, ils peuvent me donner des petits cues sur des affaires qu'on s'est pas rendu compte qu'on avait. Instagram, c'est une plateforme visuelle, OK? Donc oui, Facebook c'est visuel parce que on scroll tellement vite qu'on veut être capable de s'arrêter sur une photo. Mais la différence avec Instagram, c'est qu'Instagram, le texte, on le voit pratiquement pas. Donc, c'est vraiment la photo. Puis quand on va aller sur votre page Instagram, on ne voit aucun texte. On voit que des photos. Donc, c'est super important. Tu sais, si le visuel est important sur Facebook, le visuel est ultra important sur Instagram. Et ça, c'est là que, pas que ça devient plus complexe, OK, mais c'est sûr qu'Instagram, il faut toujours qu'il y ait une pensée quand on publie. Tandis que sur Facebook, des fois, on peut publier des affaires qui se ressemblent moins ou qui sont moins en lien avec l'autre publication d'avant, puis ça, c'est moins grave. Instagram, vu que c'est fait comme un magazine, vous devez penser aux photos qui vont être à côté. Là, je vais vous les montrer tout de suite parce que depuis tantôt que je les ai en tête, j'ai-tu fermé mes affaires? Moi, là, le partage d'écran, des fois. Là. OK, attends, ils sont là. Je suis allée chercher les pages de certaines filles dont je vais vous montrer le visuel. Tu sais, qu'est-ce que je veux dire par magazine, par qu'est-ce qu'on voit, l'unicité. Donc, ça, c'est Crystal. C'est la fille qui nous a donné notre training. Donc, tu sais, je vous parlais, là, les cheveux mauves, elle est bubbly. Tu sais, elle a tout le temps du rose, du pastel. Tu sais, on peut voir, là, comme rapidement. En tout cas, je sais pas si vous la sentez comme je vous l'ai décrit tantôt, là. La genre de petite fille, tu sais, super timide. Elle fait tout le temps des beaux petits sourires. Mais bon, qui est peut-être pas là, mais... mais tu sais, elle est tout le temps rose, tout le temps dans les mêmes... Puis ça, elle nous l'a dit. Elle a 3 couleurs, rose, mauve et blanc. Ça, ça fait partie de ces couleurs et ça va être à vous de déterminer c'est quoi vos couleurs principales, c'est quoi que vous voulez voir. Donc ça aussi, avant de vous lancer, tu sais, à mettre tout le temps plein de photos qui n'ont pas rapport une à l'autre, pensez à vos photos, pensez à vos couleurs, qu'est-ce qui vous représente exactement. Puis elle nous l'a dit, là, elle dit, si jamais je vois un beau mur qui est noir, super foncé, avec des détails rouges puis verts, là, puis il est super beau, mais je ne me prendrai jamais en photo en avant parce que ça ne fit pas dans ma page. Fait qu'elle va vraiment, là, toutes ses photos sont pensées. Tu sais, je vais même vous dire, là, que j'ai vu son coussin. Ses coussins, ici en arrière, elle dit, je les ai achetés que pour les photos.
Genre, j'ai des accessoires. Puis ça, c'est un autre point que je voulais vous amener, là, mais il y a des accessoires, là, tu sais, des fois, le HomeSense, là, c'est une mine d'or pour ça parce qu'ils vendent beaucoup d'accessoires à l'unité comme ça qui n'ont pas rapport. Mais si vous voyez un accessoire qui vous représente, achetez-le, puis mettez-le un peu partout dans vos photos. Que vous soyez dans votre cuisine, que vous soyez dans votre chambre, dans votre salon, prenez vos accessoires qui vous représentent avec vous, placez-les autour de vous dans vos photos. Qu'on la voit ou qu'on la voit pas, ce qu'elle nous disait, c'est que oui, on regarde la fille, tu sais, on regarde la fille, OK, qui a de la veine expressive, mais on regarde qu'est-ce qu'il y a autour également. Tu sais, ici, là, son pouf ici, regarde, ses petits coussins sont encore là. Elle a son pouf ici, là, qu'on le revoit ici, qu'on le revoit un peu partout. Tu sais, son ballon rose, tu sais, tout est pensé. Elle dit, mes cahiers de notes, je les achète rose mauve parce que je veux qu'on les voit dans mes affaires. T'sais, on voit ces cahiers de notes qui sont étalés ici. T'sais, tout est pensé quand elle achète un accessoire, quand elle achète quelque chose pour l'image qu'elle va projeter sur ses photos, sur son Instagram. Donc, le visuel parle beaucoup. Angie Belmont a refait sa page Instagram récemment, mais elle aussi est très bubbly, Walt Disney. Là, elle est dans le thème de Noël, là. Mais tu sais, toutes les photos là sont toutes pensées avec les accessoires, avec, tu sais, vous pouvez voir que c'est encore le style feutré. Tu sais, ça, c'est quelque chose qui vous représente, le style feutré. Je voulais vous montrer aussi, je pense que je ne l'ai pas mis, mais il y a Kim Fitzpatrick qui vont, ils vont beaucoup chercher le grain, eux autres, dans les photos. Tu sais, leurs photos sont très granuleuses. Je ne sais pas comment l'expliquer. Tu sais, le grain est comme super gros dans leurs photos. Donc, ça aussi, ça peut être comme quelque chose qui vous représente. Si pour vous, c'est des photos plus foncées, des décors plus foncés que vous aimez, qui vous représentent, allez-y pour ça. T'sais. Eux autres, ça, c'est des filles qui sont très colorées. Mais on peut voir, là, c'est rose. Elle, c'est beaucoup plus flash. Tandis que si on compare avec Crystal, oui, c'est flash, mais plus dans le pastel. T'sais, si on la compare à Angie Belmont, qui est comme rose flash. T'sais. Donc, c'est quand même... Elles sont dans le même ton de couleur, là, mais différemment. Là, je voulais vous montrer, parce que ça, c'est deux coachs Beachbody que vous pouvez aller suivre sans aucun problème. Ça peut vous donner des belles idées également. Vous pouvez aller vous inspirer de ces pages-là. Mais je voulais vous montrer une fille qui n'est pas coach, que je connais personnellement, puis qu'elle fait un travail extraordinaire sur les réseaux sociaux. Okay? Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle s'appelle Sarah Précourt. Elle ne sait même pas que je fais ça en ce moment. Là, je voulais lui envoyer un message pour dire que j'allais utiliser sa page, puis je n'ai pas dit. Je vais le dire après. Mais elle s'appelle Sarah Précourt. Elle est rendue à près de 6 000 abonnés là, sur son Instagram. Puis c'est une fille très normale. Okay? Elle n'est pas coach. Elle ne fait rien dans les réseaux sociaux. Elle ne fait pas partie d'aucune MLM. Okay? Elle fait juste des super belles photos. Elle a un super beau branding et elle fait tout qu'on devrait faire sur Instagram. Et ça, j'ai pas rentré encore dans tous les détails. Là. Je voulais vous en parler un peu plus avant que j'arrive sur le profil de Sarah. Mais, tu sais, on peut voir que ses photos sont toutes dans le blanc, sont toutes épurées. Puis là, je viens de voir plein d'affaires passer que je vais vous donner comme truc tantôt. Là, mais elle fait sans le savoir, là, mais elle est très haute avec les réseaux sociaux. Puis à cause de ça, elle est rendue à 6 000 abonnés. Elle se fait approcher par des compagnies justement pour être dans ses photos à elle et tout. Donc, je voulais vous la montrer, sa page, vous pouvez aller la suivre si vous voulez. Ça, c'est une autre affaire. Hein. Si vous voyez une fille sur les réseaux, sur Instagram, qui vous inspire, que vous dites comme « Ah, oh, elle est donc bien haute sa page, je trouve qu'elle me ressemble », suivez-la. Puis tu sais, si vous voyez un post que vous avez aimé, il n'y a rien qui vous empêche de le sauvegarder. Puis, si vous manquez d'inspiration, utilisez-le comme inspiration. Et non, faites pas de copier-coller, encore une fois, il faut que vous mettez votre grain de sel là-dedans, mais inspirez-vous de ça quand que vous êtes en manque, en panne d'idées. Ça nous arrive toute une journée qu'on est comme « Qu'est-ce que je fais? Je suis qui déjà? J'ai oublié, je suis qui? Qu'est-ce que j'aime dans la vie? » Tu sais, ça nous arrive toutes. Mais si vous avez sauvegardé des affaires, « Ah oui, c'est vrai, c'était tellement cool, ça me ressemble au bout », ça peut vous donner des idées. Faites-vous des banques d'images, OK, les filles, je sais que des photos, moi, mes amis, mon chum, surtout, ils rient de moi parce que mon sel est plein de selfies, OK, mais quand vous avez une bonne journée, là, tu sais, une journée que vous avez eu le temps, là, de vous préparer, une journée ensoleillée, s'il vous plaît, je sais que l'hiver, oh my God, que j'aille l'hiver pour ça. C'est tellement plus facile l'été, genre, il fait soleil, il y a plein de beaux soleils, plein d'éclairage naturel. L'hiver, c'est beaucoup plus difficile pour nous de prendre des belles photos parce que ce qui est important, c'est la lumière du jour. Tu sais, mon éclairage, moi, chez nous, là, tous mes éclairages sont jaunes.
C'est nul pour des photos, ça, là. Nul, OK? Donc, oui, vous pouvez, tu sais, vous équiper, là, comme des professionnels. Il y a les ring lights qui existent. Il y a les Divalac qui sont encore plus chers que les ring lights. Je vais vous montrer la mienne, d'ailleurs. Là, je l'ai quelque part. J'avais sorti pour vous la montrer, qui est comme... Tu sais, c'est rien de très cher, là. Il y en a des plus chers. Oui, il y en a de l'équipement qui se vend. Mais la lumière du jour, c'est la plus belle, la plus naturelle, puis elle fait vraiment des belles photos. Donc, si nous, dans une journée, on n'a pas beaucoup de temps de soleil, donc s'il y a une journée que vous êtes comme « Ah, oh, aujourd'hui, je me sens en forme », prenez des selfies, prenez des photos, déposez votre cellulaire, vous avez des timers sur vos cellulaires, déposez-les, faites des photos, changez-vous, faites-vous une couette, sur le côté, une tresse, laissez-les lousses, comme, tu sais, changez vos cheveux, changez vos accessoires, mais faites-vous des bandes d'images quand que vous sentez le besoin, quand vous sentez que vous êtes hot pour des photos cette journée-là, puis qu'il fait super beau, puis que vous avez un bel éclairage, mettez-vous devant la fenêtre, faites des photos. Sur Instagram également, c'est important que l'angle change, OK? Ça, allez pas voir ma page, parce que là, je viens d'apprendre ça, OK? Mais comme, si vous faites que des selfies, parce que moi, j'ai un beau profil, hein? Je sais pas si vous avez un beau profil, mais moi, ça, c'est mon beau profil. Donc, moi, je prends souvent mes photos de ce profil-là. Sauf que si toutes mes photos sont sur ce profil-là, c'est vraiment plate. Comme, les personnes qui vont vouloir me suivre, là, ils vont être comme, OK, on l'a vu ton profil, c'est correct. Comme, on peut-tu voir d'autres choses? Prenez une photo comme ça, c'est pas grave. Prenez une photo d'en haut, de loin, d'en bas, d'en haut, comme ça, tu sais. Bougez votre téléphone. Il y a des trépieds qui existent. Si vous voulez des trépieds, j'en ai commandé un sur Amazon à 12$. Sinon, là, sérieusement, là, vous devriez voir des fois là, comme les stands, parce que là, je ne l'ai pas encore, mais des fois, j'en ai pas. Je me mets devant ma porte patio pendant que les enfants dorment. Okay? C'est comme l'après-midi, j'ai le gros soleil, ma lumière est parfaite dans ma porte patio. J'ai une chaise avec un bac puis une boîte de Kleenex que je mets mon téléphone dedans puis je prends des photos. Là, après ça, je change d'angle parce que là, je baisse ma boîte. Genre, je monte ma boîte sur le comptoir. Mon comptoir, il est plus haut. Donc, je bouge mon téléphone un petit peu partout pour prendre des photos. Tu sais, des fois de côté, tu sais, si vous retournez voir Sarah Précourt, des fois, elle est comme loin dans son image. Tu sais, donc, tu vois le background beaucoup plus qu'elle. Tu sais, donc, de changer, de varier les angles sur Instagram, c'est super important parce qu'on voit l'image en premier. Et donc, c'est ça. Donc, trouvez-vous des thèmes. Est-ce que vous voulez que votre page... tu sais, pensez encore à votre avatar, là. Comment tu veux que ton avatar se sente quand elle va arriver sur ta page? Est-ce que vous voulez quelque chose de plus zen, plus calme? Est-ce que vous êtes du style, genre, on fait de la méditation? Ou est-ce que vous êtes comme bubbly, puis vous avez le goût qu'elle soit comme « Oh my God, elle est cool! » Tu sais, j'ai le goût de la suivre. Est-ce que vous avez le goût comme... Qu'est-ce que vous avez le goût que la personne ressente quand elle va arriver sur votre page? Pensez à ça, puis essayez de créer votre thème avec vos images, avec le fond. Est-ce que vous voulez que ça soit plus éclairé, une lumière plus intense, plus claire, ou au contraire, un petit peu comme effacée? Essayez de penser à ça, puis allez voir des filles, allez voir sur Instagram, promenez-vous avec des filles qui ont les mêmes thèmes que vous, les mêmes genres d'éclairage, qu'est-ce que vous aimez, puis inspirez-vous de ça. Ça, j'en ai parlé, la lumière proche d'une photo, c'est super important. Dans vos notes, je ne sais pas si vous avez un iPhone, quel téléphone vous avez, si vous avez une application notes, ça peut être un super le fun parce que moi, je fais des fois des publications quand j'en ai comme dans ma tête sur ma page Facebook, puis là, je peux les enregistrer dans les brouillons. Il n'y a pas ça sur Instagram, donc vous pouvez aller dans vos notes de cellulaire, faites-vous des... tu sais, vous avez vu une... Si vous avez vu une phrase que vous avez aimée, genre une inspiration, que vous avez eu un texte qui vous parle beaucoup, allez dans vos notes, dans votre application, écrivez-les là-dedans. Ça peut être dans Google, Google Doc aussi qui se partage dans vos ordinateurs, qui se partage un peu partout. Donc, prenez-vous des notes tout le temps. Quand vous avez une idée, non seulement de l'écrire, ça va vous l'enlever de la tête, vous allez pouvoir passer à d'autres choses, mais quand vous allez avoir le temps de vous asseoir et de faire vos publications, ça va être le temps. Parce qu'encore une fois, Instagram, c'est beaucoup plus pensé de faire nos posts. Il faut penser d'avance avant de faire nos publications. Et vous ne pouvez pas les programmer. En tout cas, je ne sais pas comment faire sans plus programmer, là, je pense pas. Mais vous ne pouvez pas les programmer. Donc, tu sais, si vous vous dites, moi, je trouve ça beau, mais ça, c'est personnel à moi. Okay? Je pourrais vous montrer d'autres comptes que moi, j'aime. Mais tu sais, ça se peut que vous aimez d'autres choses, là. Tu sais?
Moi, Sarah Précourt, je la trouve super belle, sa page. Oh, une autre affaire que je voulais vous dire, OK? Donc, Sarah, ce qu'elle fait beaucoup, 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 elle tag tous les endroits où elle va et tous les produits qu'elle prend. Ils sont tagués sur ses publications et c'est une des choses qui fait qu'elle est super connue maintenant, que les gens... Comme ça, son case, là, je sais où est-ce qu'elle l'a pris. Puis elle l'a dit, « Ah, puis merci, je sais pas comment ça s'appelle, Case Me Design, pour mon étui qui fait rêver. » Fait que là, moi, qu'est-ce que j'ai fait quand tu penses? Je suis comme, « Ah, c'est vrai qu'il y a son étui. » J'allais cliquer sur le lien. Là, elle a tagué, là. Fait qu'eux autres savent qu'elle, elle a tagué, etc., etc. Donc, puis non seulement ça, mais là, moi, je suis allée voir eux autres. Puis là, je peux aller voir, ils ont 42 000 abonnés. Je peux aller voir tout le monde qui aime ces cases-là. Parce que si moi, j'aime ces cases-là, là, elles sont hot, là. Tu sais, elles sont un peu nature. Moi, ça m'appelle, là, cela, là. Il y a des grandes chances que dans leurs abonnés, il y a des filles qui me ressemblent beaucoup. Donc là, je pourrais aller voir Maïka. Elle est peut-être un petit peu trop jeune pour moi. Pour moi, comme si je me cherchais une date, là. Mais tu sais, Marc-Claude, ah, elle est cool, tu sais. Elle fait probablement du maquillage. On peut voir rapidement qu'est-ce qu'elle fait. Supposons là, que ça serait... OK, ça l'est peut-être pas. Moi, je ne tripe pas maquillage, OK? Mais supposons que moi, je tripe maquillage, là, puis elle a l'air super cool, mais je m'abonnerais à elle. Tu sais, elle me parlerait, cette fille-là. Moi, je suis une fille qui tripe maquillage au bout. Je vois qu'elle fait des belles photos. Elle a une belle page. Je vais commencer à la suivre. À un moment donné, je vais peut-être aller lui parler. « Hey, salut, t'as une belle page. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Ah ouais, est-ce que tu prends soin de toi, toi aussi? Tu sais, le fait d'aller chercher son avatar, tu sais, sur Facebook, c'était assez difficile parce que on parlait un peu à tout le monde sans parler à personne. Tandis que là, c'est tellement facile d'aller chercher qui on aime, qui on veut, avec qui on va aller travailler parce que c'est aussi simple que aller chercher un hashtag, aller chercher la chopinerie, c'est un petit café du coin, un petit café super. Sarah est rendue avec genre des rabais là-bas parce qu'elle parle toujours de la chopinerie. Tu sais, comme elle arrive là-bas puis comme ils donnent un café quasiment là. Parce que ça, elle se tague à la chopinerie puis elle fait des belles photos. Mais tu sais, si vous regardez sa page là, un peu partout, elle va parler des produits, elle a tagué le livre. Ah, oh, j'aime ça ce livre-là. Ah, oh, ça c'est super bon. Tu sais, elle va parler des auteurs. Elle va taguer les produits qu'elle utilise, les produits de beauté. Là, tu vois, un autre café, elle a eu une carte cadeau. Elle reçoit des cadeaux, genre, cette fille-là, parce qu'elle les met dans leurs photos. Puis, je te dis, elle fait pas grand-chose. Mais, comment? Non, mais je me suis démutée, mais je me suis aperçue que tu avais peut-être entendu mon micro. Mais dans le fond, j'aimais juste ajouter quelque chose par rapport à ça. Oui. Tu sais, comme quand on regarde son profil, parce que moi, là, je suis pas Instagram. Mm-hmm. Aujourd'hui, je passe la journée à écouter des formations là-dessus parce que je veux vraiment comme apprendre comment ça marche parce que c'est là que ça se passe. Ces temps-ci, c'est Instagram. C'est pas, tu sais, on dit tout le temps qu'il faut innover, mais là, de plus en plus, c'est plus nécessairement, oui, Facebook, ça continue d'être Facebook, mais où est-ce que là, on dirait que tout se passe, c'est Instagram. Fait que je me suis, dans le fond, je vais partager mon écran après-midi. J'écoutais une fille qui donnait une formation justement là-dessus, puis elle disait que ce qui était le fun d'Instagram, parce que c'est deux mondes avec Facebook. Elle comparait Instagram avec Snapchat, puis Facebook, puis elle disait, tu sais, Snapchat, elle dit, moi, tu sais, je me montre vraiment à 100%. Je suis gaffeuse, tu sais, j'échappe ma pinte de lait. Elle dit, tu sais, ça, c'est moi au quotidien, mettons. Elle a dit, tandis que Facebook, là, ça va être un long texte de quelque chose avec une photo. Mais elle dit, Instagram, c'est deux mondes. Elle a dit, là, c'est une belle photo. C'est comme un behind the scene. Où est-ce que tu mets pratiquement pas de texte, puis que tu mets des hashtags. Puis là, elle a parlé de quelque chose par rapport à ça, que dans le fond, on peut juste mettre 30 hashtags par photo, puis qu'elle les met en commentaire, mais que c'est pas nécessairement... C'est plus d'actualité que ça ferait une différence en commentaire ou directement dans nos... en tout cas, dans notre post, mais que c'est laid, fait qu'on fait plus ça pareil, qu'on le met en commentaire. En tout cas, elle avait une opinion là-dessus, mais c'est pas ça du tout que je veux partager. Mais là, c'est, tu sais, comme je vous dis, ça va être ma page à moi, mais comme, c'est pas parce que je suis modèle, là, vraiment pas. C'est juste parce que j'essaie de varier un petit peu. Puis elle disait, tu sais, imaginez-vous que sur Instagram, vous voyez tout le temps comme 3 photos, 6 photos
ou les 9 photos. T'sais, fait que faut tout le temps que vous pensiez comme, mettons, en rangée de 3, mais aussi qu'est-ce qui va tomber comme, mettons, ici avec ici, ici avec ici, ici avec ici, puis après ça, on peut s'amuser. Tu sais, ça peut vraiment comme aller chercher la créativité aussi, parce que si, mettons, vous vous dites, moi, ce que je veux partager principalement, mettons que ce serait ça, ce serait fitness, nutrition, mais tu sais, ça pourrait être fitness, nutrition, comme ça, ça se suivrait jamais. Puis tu sais, ici, ça ferait comme des zigzags, si on peut dire, ça se suivrait jamais comme les mêmes photos, une à côté de l'autre ou une au-dessus de l'autre. Mais tu sais qu'on peut vraiment s'amuser avec ça, Instagram. T'sais, si vous avez, mettons, 3 thèmes différents que vous abordez, vous pouvez vous faire des concepts, mettons, avec vos photos, que les dernières photos que vous voyez, parce que c'est pas comme Facebook. Facebook, on peut choisir les photos, mettons, qu'on veut qu'apparaissent au-dessus de notre page. Instagram, c'est vraiment ce que tu publies. Fait que c'est pour ça que tu peux pas mettre non plus n'importe quoi. Faut que tu te questionnes un petit peu à savoir est-ce que ce que je veux partager, c'est de qualité, mais aussi, qu'est-ce que j'ai partagé avant? Puis qu'est-ce que j'ai partagé aussi qui va tomber vis-à-vis comme étant cette photo-là avec cette photo-là, pour pas que ce soit trop répétitif. Au contraire, si vous voudriez que, mettons, toute cette rangée-là, ce soit des recettes, ça peut être ça aussi. Tu sais, mettons, on se dit, à toutes les 3 photos, je mets des recettes, mais ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir des recettes, toute une rangée, tu sais, de haut en bas. Ça peut être ça, mais je trouvais ça vraiment intéressant parce que c'est vrai, tu sais, qu'on peut vraiment aller faire jouer notre créativité là-dessus, tandis que Facebook, pas comme ça que ça marche. Puis, tu sais, même si on s'amuse à faire ça, personne ne va le remarquer. Puis, ça crée quelque chose de beau. Puis, dites-vous qu'Instagram, ce qui va faire que les gens vont vous suivre, c'est pas ce que vous partagez comme texte parce que les gens ne le lisent pas. C'est ce qu'ils voient sur vos photos. Puis, c'est encore plus important, comme Steph disait, d'aller chercher la qualité, parce que si vous avez une photo floue, ou elle disait aussi que, tu sais, les petits montages comme ça, là, ça passe pas. Ma petite photo recette avec du texte dessus. Elle disait comme, des montages, du texte, on veut plus ça, c'est pas Instagram, elle dit c'est plus 2017, elle dit ça c'était genre 2010, les photos montages avec plein d'affaires, plein de couleurs, c'est pas ça qu'on veut, puis par plein de couleurs, je veux pas dire comme que Steph, ce que tu disais tantôt, c'est pas ça, mais c'est gentil, là, les montages qu'on faisait avant avec comme un carré vide juste de rose avec plein de texte comme ça, c'est non, c'est pas sur Instagram, mais tu sais, c'est ça, d'aller chercher vraiment un branding qu'on va, puis ça portait vraiment sur le branding, puis je trouve ça cool parce que ça revenait sur Facebook, ça revient là-dessus aussi, mais encore plus important, je pense. Parce que, veux pas, Instagram, c'est des belles photos, mais ce qu'il faut que tu te rappelles, c'est que tu te promouves toi, oui, Facebook aussi, mais c'est que tu peux vraiment aller chercher des gens qui aiment ce que tu aimes toi aussi. Fait que c'est ça la différence. Tu sais, Facebook, on allait chercher nos amis, les amis de nos amis, les amis de notre famille, les amis des connaissances, tu sais, on restait tout le temps un peu ben, limité, si on veut. Pas nécessairement à cause qu'on fait des demandes d'amis à peu près tout le monde, mais veut pas, à un certain moment, ça reste tout le temps un peu le réseau, parce que si on a 0 ami commun, on va pas faire de demande d'amis parce qu'on sait que c'est pas accepté. Fait qu'on reste tout le temps dans un réseau assez limité, tandis que là-dessus, comme avec les hashtags et tout ça, on peut vraiment aller chercher des gens comme nous. Puis tu sais, hier, je m'amusais à regarder, comme Steph tantôt, elle disait « ceux qui aiment les chats », j'avais écrit genre « crazy cat lady », puis je regardais les hashtags, puis il y avait plein de filles du Québec, puis j'étais comme… Je regardais leur branding en haut de page parce que ça, c'est quelque chose d'important aussi. Mettez votre description en haut. Puis elle nous disait, mettez un lien, un site Internet. Parce que comme vos photos, c'est votre branding, mais il faut que vous les dirigiez à quelque part. Puis c'est pas avec vos photos que vous allez les diriger à quelque part parce que on met pas de texte ou pratiquement pas de texte. Fait qu'elle a dit dans vos stories puis dans vos photos, vous mettez, mettons, c'est pour plus d'infos, le lien est dans ma bio. Mais là, ce qui est le fun, c'est que tu peux changer le lien dans ta bio. Fait que, tu sais, mettons que tu dis, il y a un spécial de 5 jours pour t'inscrire, le lien est dans ma bio, mais la fille, elle se dit, OK, mais dans 2 jours, il sera plus là, le lien. Moi, je le veux tout de suite. Fait que, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller sur ton profil, elle va aller cliquer sur le lien, puis ça se peut qu'elle s'inscrive. Fait que, tu sais, elle a poussé un petit peu ça plus loin à comment on fait pour convertir, mettons, des followers en clients. Puis, c'est vraiment en étant active avec les Insta Stories, puis comme, moi, en tout cas, c'est un nouveau monde pour moi. Là, j'ai quasiment découvert ça aujourd'hui. Là. Pas loin. Mais je trouvais vraiment que c'était des bons trucs, des bons conseils. Puis je trouvais ça le fun de partager ça avec vous autres parce qu'on en parlait justement ce soir. Mais comme, décrivez-vous ici. Puis encore là, c'est pas nécessairement correct parce qu'elle me disait, c'est plus d'actualité, genre mettre des petits émoticônes puis tout, là, comme c'est plus 2017. Ça fait que ça, ce sera à changer. Mais de se faire une description de qui on est parce que nos photos vont attirer l'œil. Mais ça ici, c'est ça qui va créer un petit peu le call to action. Tu sais, mettons, moi, il y a une personne que je suis beaucoup, c'est...
Je sais pas si je vais le trouver, mon ordi bug, là. Puis je sais même pas si... Ouais, c'est comme ça qu'elle écrit. Puis elle a donné une formation justement sur Instagram pendant la leadership, où est-ce que les filles sont allées. Puis je l'écoutais sur YouTube. Si jamais vous voulez les liens, là, je les ai toutes enregistrées. J'ai toutes les vidéos de des formations qui ont été données. Mais tu sais, elle, mettons, tu regardes sur Instagram, ses photos sont super belles. Mais c'est pas juste ça. Son branding est beau aussi. Tu sais, mettons, quand tu regardes la part de sa vie, mais il y a quasiment tout le temps un call to action. Link to join. Attends, là, je vois plus le reste de... Regarde, link to join my team in bio. Qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont faire, oh, cool! Je vais retourner sur son profil, je vais remonter en haut le lien là. Ils vont cliquer dessus. C'est vraiment une façon de convertir les gens après ça en futurs clients. Fait que c'est juste ça que je voulais comme partager. Moi, j'ai appris ça aujourd'hui, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Puis j'essayais vraiment comme de me faire une tête par rapport à ça. Puis oui, c'est de varier mes affaires. Je m'aperçois que j'aurais pu comme plus me concentrer sur un branding précis parce que moi, présentement, c'est pas vraiment comme moi personnalisé, si on peut dire. C'est un petit peu tout. Je trouvais des photos cute, puis j'ai mis ça, puis je trouvais que, tu sais, mon filtre que je mets partout revenait. Mais, tu sais, c'est vraiment quelque chose qu'on peut vraiment pousser ça plus loin, là. Puis, tu sais, les concepts de photos qui suivent, j'aime ça aussi. Puis, ça peut vraiment être intéressant. Excuse-moi, Steph, là, j'ai comme parti avec mes... Mais non, c'est bon, mais t'as pris beaucoup de choses que... je suis un petit peu perdue dans mes affaires, dans mes notes. Tu m'as perdue. Mais non, je sais plus ce que j'ai fait. Mais... je sais pas ce que j'avais dit. Pourquoi t'avais arrêté? Je parlais de Sarah qui parlait des produits. Oui! À taguer les produits, OK. Mais ça, également dans les stories, OK. Mais je vais revenir avec les stories. Je voulais juste voir si j'avais tout passé pour les photos. Tu sais, comme Joanna disait, oui... Tu sais, de pas trop écrire de texte, mais vous pouvez écrire du texte. Ah, là, c'est ça, OK. Je voulais vous montrer la... qu'est-ce qu'elle parlait, là, Joanie, de, que vous pouvez... Moi, je trouve que j'aime... Ça reste personnel à vous, OK? Mais je voulais montrer Kim Fitzpatrick parce que elle fait un petit peu qu'est-ce que Joanie, elle parle, OK? Donc, si tu la suis, toutes les... Tu vois, elle a des quotes en plein milieu de sa page. OK? Là, ça n'a pas marché ici, là, mais comme... Tout le temps dans le milieu de sa page, elle a des quotes. Ça, ça peut être fait... Tu sais, si c'est ce que vous aimez. Moi, personnellement, j'aime beaucoup quand c'est à chaque 5. OK? Donc, un petit peu déplacé, pas nécessairement un en dessous de l'autre, mais ça, ça reste à vous. Mais quand vous mettez une photo sur Instagram, vous devez aller voir votre profil avant pour voir quelle photo, votre photo que vous allez mettre ici, là, elle va être à côté de quoi, puis en dessous de quoi. Vous devez... toujours penser. C'est pour ça que c'est plus logistique que Facebook, parce que vous devez aller voir sur votre profil et que ça doit être intentionnel quand vous faites un post sur Instagram. Donc ça, c'est ça le grain là, que je parlais. Là. Ils vont chercher le grain dans les photos, les Fitzpatrick. Mais ça les représente au bout. Là. Les couleurs, ils ressortent tellement. Donc c'est ça. T'sais, allez chercher des accessoires qui vont vous représenter avec des couleurs qui vous représentent. Mettez-les dans vos photos. Utilisez-les pour faire votre branding. Essayez aussi de regarder là, à quelle heure. Parce que c'est exactement comme Facebook. Hein? Quand vous allez mettre une photo, là, si vous la mettez et qu'il n'y a personne de vos followers qui sont en ligne, quand vous allez mettre votre photo, personne ne va la voir. Elle va passer dans le beurre. Donc, allez voir ça. C'est si vous avez un profil professionnel. Instagram le fait pour vous. Tu sais, la ligne là, de comme avec Facebook. Dans le fond, vous pouvez aller voir à quelle heure que vos abonnés sont plus en ligne. Personnellement, OK, aujourd'hui, j'ai mis mon profil professionnel pour pouvoir le faire. Puis quand j'ai fait ça, je ne pouvais plus partager mes stories sur mon Facebook. Donc, j'ai repris mon Instagram personnel pour l'instant. Je suis en train d'évaluer les pour et les contre d'avoir un compte professionnel. Mais tu sais, ça va être à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire avec vos stories également. J'arrive avec les stories. Donc, les photos, tu sais, pour avoir les filtres comme ça, Instagram ont beaucoup de filtres et ont beaucoup d'options pour les filtres, OK? Donc, tu sais, ils sont vraiment bien. Mais vous pouvez aller chercher une photo, l'arranger ailleurs, puis juste la mettre comme ça sur Instagram. T'sais, l'important, c'est que vous gardez toujours, comme Joanna parlait, qu'elle a toujours le même filtre.
comme eux également, les Fitzpatrick ont toujours le grain de photo super gros dans leurs photos, super présent. Donc ça, ça les représente. Allez chercher une application que vous aimez. Moi, personnellement, j'utilise deux applications. Puis là, depuis la semaine passée que j'ai changé mes couleurs puis mon image, OK? Donc, c'est pour ça que si vous allez voir mon Instagram, je peux vous montrer, là, je l'aime pas là, pour l'instant, mais tu sais, juste là, vous pouvez voir que mes couleurs ont déjà changé, genre, cette semaine. Tu sais, mais ça, c'était mes couleurs d'avant. Puis là, je me suis rendu compte que finalement, j'aimais moins ça. Tu sais, c'était plus foncé, c'était plus orangé, que genre, ça me représente pas vraiment finalement. Tu sais, j'allais le chercher parce que je trouvais que ça fitait avec mes cheveux, mais ça n'a pas rapport. Ça me ressemble plus ou moins. Donc, tu sais, j'aime un peu plus ces couleurs-là. Mais en tout cas, tu sais, je me trouve là-dedans. Puis ça, puis c'est correct, hein? Tu sais, comme, allez pas effacer des photos parce que ça vous représente pas vraiment, là. Allez pas le faire. Ça représente mon histoire. Ça représente qui je suis. Et, tu sais, je vis bien avec ma page, là. Fait que ne faites pas ça. Allez pas enlever des photos. Faites juste constamment vous améliorer. Puis ça aussi, les gens vont le voir. Tu sais, moi, des fois, là, les nouvelles coaches, qu'elles me voient, sont comme, mais là, je suis pas comme toi, mes photos. Je suis comme, OK. Va dans mon Facebook, scroll down, va voir ma première photo, là. J'ai fait du chemin, là. Mais c'est correct, c'est normal, là. Tu sais, il faut faire du chemin. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer sur les publications. Donc, là, on parle aussi, là, de faire, OK, en pourcentage, 80% du temps, vous devriez donner de la valeur aux gens. 20% du temps, ça devrait être votre business. Donc, vous donnez, gardez toujours ça en tête. Donnez, 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 donnez du contenu, donnez de la valeur, donnez, 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 donnez et demandez. Donnez de la valeur aux gens, donnez des recettes, donnez, partagez des quotes, partagez de l'inspiration, les inspirer, donnez, donnez, donnez. Est-ce que vous voulez partir à un défi de groupe? Plus vous allez donner aux gens, plus les gens vont pouvoir vous faire confiance parce que dans le fond, ils vont vous connaître. Tu sais, dans le fond, on veut que les gens nous connaissent. Puis quand tu connais une personne, le lien de confiance est beaucoup plus fort que quelqu'un que tu n'as aucune espèce d'idée c'est qui, puis qu'elle t'invite à un défi de groupe. Tu es comme, excuse-moi, t'es qui toi? Je te connais pas. J'ai aucune idée de quoi tu penses. Fais juste parler de tes défis de groupe. Je sais même pas si t'as des enfants, je sais même pas si t'as des animaux, je sais même pas qu'est-ce que tu fais dans la vie. Tandis que si vous partagez votre quotidien, que vous donnez, 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 et que là, vous demandez, est-ce que vous voulez partir à mon défi de groupe? Et là, ils sont comme, hey, oh, j'ai vraiment le goût, c'est tellement cool, elle a l'air super le fun à suivre, bla, 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 bla. Là, ça se peut que ça qu'il y ait un intérêt à votre défi de groupe. Les Insta Stories. Comme n'importe quoi, comme Facebook, vous devez être constante. Donc, vous devez être présente, oui, sur Instagram, sur votre page, mais également dans les Insta Stories à tous les jours. Bienvenue dans l'entrepreneuriat! Mais pour de vrai, là, tu sais, la journée... Moi, je me rappelle, là, l'année passée, je suis partie une semaine en vacances avec mon conjoint. Puis j'étais beaucoup, beaucoup sur Snapchat. Présentement, j'ai délaissé Snapchat, que j'aimais vraiment là, beaucoup, 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 beaucoup. Puis ça m'a pris du temps à faire le pont vers Insta Stories. Et là, je trippe sur Insta Stories. Donc, j'espère que mes snappers vont s'en venir sur Insta Stories. Mais bref, j'étais beaucoup, beaucoup sur Snapchat à tous les jours. Et la semaine que je suis partie en vacances, j'avais pas de réseau. Pour de vrai, là, j'essayais de publier sur Snapchat mes déjeuners ou comme, tu sais, n'importe quoi, là. C'était nul là-bas, j'avais pas de réseau, fait que je ne publiais pas. Puis quand je suis revenue, là, j'avais des messages, mais t'étais où? Je m'ennuyais! Oh my God, OK, je peux faire mon workout le matin parce que t'es là! Je suis comme, quoi? Tu te rends pas compte de ce que les gens, ils sont habitués de te voir, puis à tous les jours, ils veulent savoir, hey, elle s'est-tu levée le matin? Elle a-tu fait son training? Hey, elle a-tu mangé? Qu'est-ce qu'elle a fait pour devoir déjeuner? Ils veulent te suivre. Vous êtes comme une télé-réalité que les gens veulent vous voir et vous êtes là au quotidien. Donc, si vous n'êtes pas là au quotidien, ça se peut qu'ils aillent voir ailleurs. Si vous n'êtes pas là, ils ont besoin de vous à tous les jours pour les motiver, pour les inspirer, puis que là, vous n'êtes pas là, ils vont trouver quelqu'un d'autre à aller voir. C'est plate, là, mais c'est ça. Donc, même les journées que vous allez moins bien, même les journées que je ne m'entraîne pas, je publie. Je ne me suis pas entraînée aujourd'hui. Je publie ma vie. Le Insta Stories, là, c'est votre télé-réalité. Puis ça ne vous empêche pas de la brander aussi. Ils ont les filtres dans Insta Stories, mais si vous mettez des photos, contrairement à Snapchat, que je détestais de Snapchat, parce que Snapchat, tu devais prendre leur photo, quoique leur photo était toujours super belle. Il y avait une très belle qualité de photo. Là, j'adorais. Des fois, je vais juste la prendre pour la photo. Mais
si tu prenais une photo toi-même que tu allais la modifier avec tes applications, puis que tu la mettais sur Snapchat, Snapchat la modifiait, mettait un gros cadre blanc, ça faisait très laid, tandis qu'Instagram ne le font pas. Donc, tu peux prendre ta photo, aller avec ton branding, donc aller utiliser tes applications pour modifier ta photo avec tes couleurs, tes filtres, et la mettre dans Insta Stories. Comme ça, ton story se suit toujours. Encore une fois, j'ai commencé à suivre Crystal, la fille qui nous a donné le training, puis je suis allée voir ses stories. Et ses stories, toutes les écritures sont roses. Tu sais, vous pouvez changer la couleur des écritures, là, mais elles sont toutes roses. Tout le temps roses. Tu sais, ça la représente, je sais que c'est elle. Donc, c'est une affaire de Insta Stories. Puis, n'hésitez pas à être vulnérable. Tu sais, on a l'impression qu'il faut toujours être on top, qu'il faut toujours être... que je me suis entraînée, je suis hot, ok, il faut que je sois positive, il faut que je sois dedans. Mais c'est pas ça la vraie vie, là. Puis c'est correct, tu sais, si les gens, ils pensent qu'ils peuvent pas s'associer à vous parce qu'ils vous voient comme, mais voyons, non, je serais jamais capable d'être comme elle, elle est comme là. Non, on est comme tout le monde, on a des mauvaises journées, on a des journées où est-ce qu'on pleure, on a des journées où est-ce qu'on est fâché, on a des journées où est-ce qu'on mange du chocolat, on est des vrais personne, tu sais. Donc, soyez vulnérables, soyez authentiques et c'est dans votre stories que ça va beaucoup se refléter, contrairement à vos images sur votre page parce que c'est un magazine. Mais les stories, là, vous pouvez vous permettre de vraiment parler de votre quotidien. Tu sais, c'est facile d'aller sur les stories à tous les jours, là, partager votre but du jour. Hey, aujourd'hui, là, j'ai goût de faire une recette de smoothies écœurante aux fraises, c'est ça qui me tente de faire. Puis partager vos buts du jour, ça peut être plus qu'un smoothies, là, mais genre, là, j'ai goût d'inspirer 5 personnes aujourd'hui, j'ai goût de mettre un sourire à quelqu'un, bref, vos buts du jour, vos workouts, votre shake-o, vos recettes, les enfants qui m'ont fait arracher mes cheveux de la tête, la musique que j'ai écoutée aujourd'hui, bref, n'importe quoi peut aller dans les stories. Et ça, également, c'est super le fun parce que vous pouvez créer des sondages également. Ça, j'adore ça, créer des sondages sur ma page. Je peux voir qui est interactif sur ma page et qui l'est moins. On peut aller voir qui a regardé les stories. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? On peut taguer également. Hein? Vous faites des hashtags. Vous pouvez faire un hashtag par... Vous pouvez faire un hashtag. Tu sais, lorsque vous prenez votre photo, vous swipe up, puis là, vous pouvez faire un hashtag. Vous pouvez en mettre aussi, là, vous pouvez taguer des gens avec le A commercial. Vous pouvez, une autre chose que j'ai commencé à faire cette semaine, vous pouvez faire du géotag, qui est genre de taguer l'endroit où est-ce que vous êtes. Et ça, vous pouvez le changer. Parce que là, moi, j'étais comme, ben là, je ne vais pas taguer que je suis tout le temps chez nous, tu sais, c'est plate, là, genre. Mais non, vous pouvez changer votre géotag. Et elle, ce qu'elle disait de faire dans les stories, à sa tag toujours. Donc, si vous êtes dans un café, par exemple, vous pouvez aller taguer le café où est-ce que vous êtes. Mais si, supposons, vous pensez que, vous, comme tantôt, on parlait avec Joanie, que les gens de les îles de la Madeleine suivent Joanie puis qu'elle, elle recherche des gens des îles de la Madeleine, bien, elle peut aller taguer, même si elle est au Québec en ce moment. Bien, là, elle est aux îles de la Madeleine. Mais sinon, qu'en fin de semaine, elle sera à Montréal, puis qu'elle sera à Montréal, mais qu'elle veut parler au monde des îles de la Madeleine. Vous allez faire un géotag, puis là, vous écrivez « îles de la Madeleine ». Puis vous le mettez en plus pâle, parce que là, vous pouvez le modifier. Tu sais, vous pouvez être comme super foncé, plus pâle. Vous le mettez super mini, mini, mini dans le coin de photo qui paraît même pas. Comme ça, votre géotag est sur votre photo, mais il n'y a personne qui le voit. Tricky, tricky. J'ai commencé à faire ça aujourd'hui. Tu sais, j'ai tagué du monde à Saint-Sauveur. J'ai tagué que j'étais genre à Montréal. J'ai tagué que j'étais en Gaspésie. J'ai tagué que j'étais comme... partout, juste pour que ma photo soit vue dans ces endroits-là. Est-ce que vous comprenez, genre? Mais tu sais, si vous allez voir mon stories, là, vous pouvez pas le voir. Je l'ai caché, là. J'ai mis mini, 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 transparent, et je l'ai caché dans le coin de photo. Fait que ça, c'est un truc de faire. Donc, pour agrandir votre réseau, tu sais, c'est sûr que là, oui, ça l'aide de faire du géotag ou des hashtags. Ça l'aide au bout d'aller chercher des gens qui vont vouloir vous suivre. Mais c'est à vous également d'aller vers les gens. Donc, tu sais, allez voir, tu sais, comme là, tantôt, je vous ai dit, là, j'allais voir sur la page de Sarah, que là, Sarah, elle aimait tel café. Bon, là, j'allais voir, moi, la chopinerie, je l'adore comme café. Fait que j'allais voir les followers de la chopinerie. J'allais voir les filles qui vont à la chopinerie. S'ils ont un style comme moi, je vais les suivre. Puis là, je vais leur, à un moment donné, je vais les écrire. Je vais les suivre pour de vrai, là. Je vais aller voir leur page. Puis je suis comme, ah, vraiment cool. OK, je vais continuer à la suivre. Puis là, je vais aller écrire un message. Hey, ta page est vraiment belle. J'aime ça te suivre.
tu sais, blablabla, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis là, je vais commencer à parler. Mais là, je sais exactement que je parle à mon avatar parce que je l'ai choisi, parce que je l'ai vu. Je sais qu'elle aime exactement les mêmes choses que moi. Je sais qu'elle a le même branding que moi. Et donc, c'est mon avatar direct. Donc, c'est beaucoup plus facile de connecter comme ça avec les gens que genre sur Facebook. Oui, pourquoi tu m'as ajouté? Ben, parce qu'on a des aimants communs. OK, à part de ça... Ouais, pas grand-chose, tu sais. Tandis que sur Instagram, ben, hey, tu vois, ce café-là, hein, j'adore ça, ils ont tellement de la bonne bouffe, qu'est-ce que t'aimes le plus? Tu sais, c'est tellement plus facile d'aller connecter avec les gens là-dessus. Peu importe le nombre de followers que vous avez, on s'en fout. Là, je viens d'être comme contradictoire au bout, hein. Ce qui est important, là, c'est pas que vous ayez 40 000 followers ou 150 followers. L'important, c'est que vos followers soit votre public cible et que ça soit des gens avec qui vous pouvez connecter, des gens qui vont vraiment être votre avatar et qui vont être actifs sur votre page et qui vont être intéressés par votre page. Tu sais, vous pouvez avoir, c'est ça, 40 000 followers, mais qu'il y en a 35 qui se foutent bien raide de vous autres, ça sert absolument à rien là, d'avoir 40 000 followers. Donc, l'important, d'aller chercher vraiment avec les hashtags qui vous ressemblent. Tu sais, même des publications, là, ben c'est ça. Moi aussi, là, j'ai commencé, au début, je mettais les hashtags dans mon paragraphe. Finalement, je commence à trouver que c'est laid, fait que je les mets en commentaire. Puis, je vais aller chercher, tu sais, comme aujourd'hui, j'ai fait une publication sur que je travaillais par terre. Mais tu sais, j'ai tagué genre « travailler par terre ». Genre, pas rapport. Puis tu sais, ça peut avoir de l'air niaiseux, mais tu sais, si vous taguez, genre, supposons que vous taguez, j'ai rien en tête en ce moment, mais comme quelque chose de très, genre, healthy lifestyle, qui a genre 10 millions de hashtags, c'est beaucoup plus difficile que vous, si vous taguez, genre, j'aime mon café le matin, qui a genre 10 personnes qui ont tagué ça. Là, ça va être facile d'aller voir c'est qui les 10 personnes qui aiment leur café le matin. Comprends-tu ce que je veux dire? Donc, essayez d'être plus précise dans vos hashtags. Pas trop non plus. Là, vous voulez pas qu'il y ait juste 10 personnes qui aient hashtagé ça. Mais tu sais, comme dans les 1000, mais tu sais, 40 000, 50 000, 1 million de hashtags, là, des fois, on se perd, puis c'est plus difficile d'aller chercher exactement la personne qu'on cherche. Donc, essayez d'être plus précis dans vos hashtags. On parlait d'à peu près, en tout cas avec Christelle, elle nous parlait d'à peu près 20 hashtags par publication. Ça, vous pouvez les garder. Hein. Faites-vous des paquets de notes. Des paquets de notes de hashtags, genre, ah, ça là, j'aime bien ça quand je mets des recettes. Je publie tout le temps ces mêmes, souvent 10, 15 hashtags-là, puis vous pouvez en rajouter par la suite. Fait que, tu sais, c'est plus facile de faire des copier-coller que toujours aller faire écrire chaque hashtag un après l'autre. C'est ça, n'oubliez pas de taguer, tu sais, les petites business que vous utilisez. Tu sais, si jamais vous utilisez un produit d'une boutique proche de chez vous, tu sais, taguez-la, cette personne-là. Tu sais, non seulement ça va l'aider, elle, ça va vous aider, vous, également, parce qu'elle va être comme, « Hey, merci, t'as aimé mes enfants. » Puis, elle va probablement vous taguer également dans sa publication. Elle va peut-être reposter votre publication. Donc, tu sais, entraidez-vous avec les petits produits que vous utilisez, les produits locaux ou les produits, les petites business qui vous entourent. Non, on lit moins qu'est-ce qui est écrit. J'ai presque fini à être rendu ici, ça fait longtemps que je parle, hein. Mais, non, on lit beaucoup moins le texte que sur Facebook. Par contre, si votre première phrase est attirante, les gens vont aller lire, OK? Donc, tout se passe dans la première phrase. Donc, tu sais, mettez un titre. Genre, allez chercher un titre accrocheur pour votre publication pour que les gens veulent appuyer sur plus puis aller lire le texte au complet. Ben c'est ça, allez chercher le monde. Je pense que j'ai fini, là. Oui, je pense que j'ai fait le tour. Toi, tu disais que... ben, en tout cas, moi, la formation que j'écoutais après-midi, elle conseillait que s'il y avait plus que 100 000 personnes, mettons que... Tu sais, quand tu regardes ton hashtag, là, tu vois combien de personnes ils l'ont tagué, ouais. Mais tu ne le prends pas, sinon c'est comme un hashtag de perdu. Parce ouais. Qu'il y a trop de gens qui sont là-dedans, tu sais. Exactement. Puis, je sais pas si tu en as parlé, mais c'est peut-être quand mon téléphone il a buggé puis que j'ai perdu mon Zoom. Mais, tu sais, avec Instagram, c'est facile de connecter avec les stories. Fait que, tu sais, c'est un petit peu comme Snapchat. Je veux dire, les gens, ils vous suivent. Ils ont l'impression de vous connaître. Fait que quand vous leur écrivez un mot, vous n'avez pas l'air de sortir comme de nowhere. Là. Fait que moi, je connecte avec les personnes qui ont vu mes stories. Tu sais, on voit, mettons, qui a... Tu sais, des fois, vous pouvez faire un petit sondage, puis les gens peuvent cocher oui, non. Puis vous voyez qui correspond du quoi. Puis tu sais, c'est tellement facile d'aller connecter avec ces gens-là. Fait que c'est des connexions, là, genre, hyper faciles. Puis ces gens-là,
vous avez pas l'air de sortir de nowhere. Puis, tu sais, on dirait que c'est un lien qui est vrai. Puis même, je pousserais ça à dire, allez connecter avec des gens que vous suivez, que, tu sais, que ces gens-là font des stories aussi. Tu sais, mettons, là, moi, j'avais une fille, elle venait d'accoucher, elle prenait des photos de son bébé. Je suis comme, hey, wow, il est tellement beau! On commence à jaser, tu sais, on se connaît pas. Mais on a l'impression de se connaître parce que tous les deux, on suit. Tu sais, c'est plus facile, on dirait. C'est un lien qui est plus vrai. Puis ça fait que les connexions sont plus naturelles que sur Facebook, moi, je trouve. J'ai trouvé mon petit stand, là, mais je m'en ai commandé un plus haut. Parce que, tu sais, il est super pratique pour comme mettre un petit peu partout, là, vraiment. Là, je pense que j'ai payé ça 4$ sur Amazon, pour de vrai. Fait que, tu sais, tu peux mettre n'importe quel cellulaire. C'est juste que, tu sais, je peux pas prendre de photos de côté. Fait que ça, j'allais moins pour ça. Fait que c'est vraiment, ben, pas de côté, mais tu sais, je peux juste prendre des photos comme ça parce qu'il tient pas bien de même, comme il tombe. Fait que, mais tu sais, je mets mon cellulaire, puis c'est super facile, tu sais, comme, je peux mettre n'importe où, là, tu sais, genre, je pourrais le mettre en haut, tu sais, je vais prendre une photo plus haute, mais je me suis commandé un trépied parce que j'ai pas beaucoup de tablettes chez nous. Puis ma ring light, ben c'est vraiment une petite cheap, ça aussi, là, je pense que j'ai payé 5$ sur Amazon, mais elle se clip sur ton téléphone ou elle se clip sur mon laptop. Je pense que j'avais déjà montré, là, mais là, je pense que j'ai plus de batterie dedans. Tu sais, dans le fond, elle fait plus une clarté. Tu sais, là, ma lumière est vraiment jaune, là, mais quand que je faisais des calls avec ça, c'est vraiment plus bleuté, blanc comme lumière, là, plus chaud que jaune. Donc, moi, c'est peut-être moi qui ai sévère, là, vu que j'ai un cours en photo, je le sais pas, là, mais moi, on dit que je l'aime pas. La mienne, en tout cas, je m'en sers pas. C'est rien comme les professionnels. Ça fait comme si on avait un gros flash des yeux, tu sais, puis qu'il n'y a aucune... C'est ça aussi. Moi, personnellement, je me l'ai assez commandé. Ça m'a coûté 12$. Mais j'ai vraiment regretté. Fait que, tu sais, des fois, on se dit, je vais faire un plus petit investissement. Mais, tu sais, des fois, ça vaut vraiment, moi, pour moi, personnellement, ça vaut plus la peine de se dire qu'on va investir sur quelque chose qui est durable, qui va valoir la peine, que de commander, mettons, 10, 15 petites affaires, 10$, puis que finalement, ça vaut pas le prix. Tu sais, fait que ça, c'est mon opinion à moi. Sachez que peu importe, ça passe sur l'impôt, mais ton case, il est vraiment cool. Moi, avec mon Samsung, je peux pas avoir ça. Oui, bien, c'est un case. Mais tu sais, il est vraiment gros, fait que je le prends quand je sors, puis je sais que je vais sortir le soir parce qu'il y a comme la lumière intégrée, là. Tu sais, je peux comme régler l'intensité. Fait que tu sais, dépendamment, ça peut être super pratique. On a de l'air un peu folle, là, mais comme, à un moment donné, ça fait partie de... On s'habitue. C'est quand tu portes ta lumière. Ça fait partie de la vie. Au restaurant, là, sérieux, là. En fait, moi, j'allais au restaurant avec mon chum, là, tu sais, je mettais ma lumière dans le tapis en train de prendre nos photos, là, tu sais, parce que sinon, tu sais, dans un resto le soir, là, la lumière est assez poche. Là, j'étais comme, OK, prends ta photo vite parce que je vois plus rien. Tu sais, mais tu sais, en même temps, ça fait partie de. Puis, tu sais, j'étais pas comme ça au début, là. Au début, j'étais comme super gênée de prendre des photos de moi, plaster à l'épicerie. J'ai acheté des pommes! Tu sais, là. On se déjeune, puis on le fait, puis on sort dans notre confort, hein? Fait que... Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y avait des questions sur Instagram? Ben, je sais que j'ai vu que Joanna avait répondu, Chloé, sur la lumière, pitou-pitou, là. La diva, là. Moi, j'en ai mis une, personnellement, que je sais que plusieurs coachs du Québec utilisent. Tu sais, si vous suivez Mel Potier, Geneviève Leclerc, ils prennent toute cette lumière-là. Je pense que même que c'est celle à Cindy Monette aussi. Puis, c'est moins cher que la diva light, mais... La qualité. T'as marqué dans le chat 13$? Ah oh non, c'est pas celle-là. C'est impossible. Non. La Diva Light, elle est comme 300-400. Oui. Celle-là, et dans le fond, ça doit être la Light Ring qui est 15$. Mais la Diva Light est comme vraiment très chère. Mais celle-là, c'était comme le compromis entre comme la qualité puis le prix de la Diva Light. Puis en tout cas, moi, personnellement, je sais que j'ai juste des bons commentaires. Moi, personnellement, savez-vous quoi? J'avais mes fonds de... Ben, mes fonds. En tout cas, dans le fond. Là, je m'égare, là. Ça n'a vraiment pas rapport. Mais en tout cas, vu que j'ai été photographe dans une autre vie, ben, je suis full équipée en affaires de photos, puis j'avais comme mes petits parapluies. Je m'en sers même pas. Mais ça pourrait vraiment être quelque chose de cool parce que... Ben, moi, le soir, je sais que je prends pas de photos. Je les prends tout le jour. Tu sais, je m'organise autrement. Mais sachez qu'il ne faut pas négliger la qualité parce que moi, je pense que c'est la business qui en écope après parce que je veux pas. Il faut qu'on ait comme un branding professionnel aussi. Il faut qu'on reste nous-mêmes, mais il faut que ce soit comme vraiment professionnel aussi, moi, à mon avis. Parce que c'est notre marque de commerce. Nous, on est notre business.
Je pense qu'il n'y a pas de question. Non, je pense qu'on a assez duré. Oui, ça fait comme un an qu'on parle, là, mais donc on va vous laisser aller. Là, mais c'est ça, tu sais, n'ayez pas peur d'aller vous promener sur Instagram puis de, tu sais, d'essayer. Là, c'est sûr, comme vous avez vu sur ma page, là, j'ai dit à mon chum, je ne l'aime pas en toute ma page, là, j'aime pas. T'sais, je gardais les mêmes couleurs, les mêmes affaires parce que depuis le début que j'ai les mêmes affaires, fait que je me disais, je vais toujours garder en même. Cette semaine, je disais à mon chum, je ne l'aime pas, là. Je l'aime pas ma page. J'ai comme, ben, change-la. Puis c'est ça que je suis en train de faire tranquillement, pas vite. Fait que, tu sais, oui, on peut faire des erreurs, mais c'est correct. Ça fait partie de notre parcours. Donc, tu sais, attendez pas d'être prête à le faire. Faites-le. Tu sais, puis c'est comme ça que vous allez apprendre. Tu sais, vous allez mettre une photo, puis vous allez faire comme, ouais, finalement, je n'aime pas cette couleur-là. Ben, c'est pas grave. La photo d'après, tu sais, prenez-vous, puis plus tu sais, vous allez faire votre couleur comme ça. Je sais que je pense que c'était Maud dans un appel qui avait parlé d'une boutique qui font selon les thèmes de l'année. Tu sais, à l'automne, leur couleur, c'est très orangé. Maintenant, c'est très rouge à cause de Noël qui s'en vient. Tu sais, donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle, les saisons, ça peut être quelque chose aussi, une direction où aller. Mais tu sais, bref, vous pouvez pas faire des. Ben, tu sais, allez-y, puis vous allez apprendre de vos erreurs. Puis on le fait encore toutes, là. C'est un cheminement de vie quasiment, là. Moi aussi, je publie quelque chose, puis je suis comme, ouais, je sais l'être. Non. On enlève ça, on supprime. Mais tu sais, on apprend comme ça, puis il faut juste pas arrêter d'innover, puis de pratiquer, puis d'apprendre, puis d'essayer, recommencer, essayer, réussir. Fait que tu sais, quand on vous dit que c'est un processus, mais tout est un processus. Fait que vraiment. Je sais pas s'il y a plus de questions, hein, non. Non, je pense que tout avait été répondu. Donc, ben, n'hésitez pas si vous avez d'autres choses. On est là pour vous aider. Puis, on a hâte d'aller voir vos pages Instagram. Bye. Bye. Bonne soirée. Merci, Steph. Ça fait plaisir. Bye.